Bonjour, mon nom est Marie-Lou de Belvédère Beauté. Aujourd'hui, je vous propose les meilleures routines selon moi pour contrer l'acné. Vous le savez, si vous en faites, c'est toujours un petit peu plus pire en automne. Et je vais vous dévoiler un petit secret d'entrée de jeu, mesdemoiselles. Si vous vous protégez du soleil tout l'été, vos crises d'acné de l'automne vont être fortement réduite parce que le soleil a un petit effet anti-inflammatoire, donc on a l'impression qu'on a moins d'imperfections l'été, c'est à cause de ça. Et par après, ben c'est encore pire, on dirait que tout ce qu'on n'a pas eu durant l'été va ressortir durant l'automne. Donc un bon truc à appliquer, il y a plein de belles protections solaires pour le visage pour vous que vous pouvez tester. Je vous mets un lien dans la barre info en bas vers mon blog. Donc, je vais vous parler en fait de toutes les marques qui font des produits pour l'acné dans la catégorie dermocosmétique parce qu'ils ont tout un plus, ils ont tout un produit hallucinant qu'il faut que vous voyez, que vous essayez si vous pouvez. Puis je crois qu'il y en a pour tous les goûts dans le domaine de la peau, hein. Faut essayer pour savoir si on aime ça. Je vais commencer par une petite parenthèse pour celles qui ont simplement la peau grasse parce que c'est rare, mais il y a quand même des gens qui ont juste la peau grasse, qui n'ont pas beaucoup d'imperfections, mais ils ont quand même une peau très huileuse. Et la gamme par excellence pour ça, elle n'est pas dans dermocosmétique, c'est exceptionnel, elle est dans Jean Destrée, qui est une gamme d'institut, mais qui se vend chez Jean Coutu en exclusivité. La gamme pour peau grasse est fabuleuse. Elle ne va pas vraiment traiter les imperfections, même si elle va les prévenir un petit peu. Et réellement, la crème matifiante, c'est à tomber à terre. Elle est extrêmement performante. Fait que, allez voir, mesdemoiselles. Je vais poursuivre avec La Roche-Posay, qui est une gamme qui est très connue, très recommandée. Dans La Roche-Posay, moi, le produit chouchou de mes clientes et celle que je vais souvent recommander quand la personne est peut-être un petit peu plus restreinte au niveau de ses achats, c'est le fameux gel moussant Effaclar. On en vend des tonnes par année, pas pour rien, parce que c'est rare, mais à lui seul, vous allez avoir une diminution des imperfections. C'est le seul produit nettoyant, à ma connaissance, qui a fait l'objet d'un test clinique pour les effets sur les imperfections. Donc, un beau petit bijou. Je ne vous dis pas que le reste de la gamme n'est pas intéressante, c'est valide pour toutes les autres gammes dont je vais parler, mais vraiment le produit vedette, si on veut, dans Effaclar de La Roche-Posay, c'est le gel moussant. Ensuite, je vais vous parler évidemment d'une de mes gammes favorites et qui est extraordinaire pour les peaux grasses. C'est Bioderma qui l'a fait, elle s'appelle Cébium. Cébium offre, d'après moi, le meilleur soin correctif sous forme de crème. Et oui, même si on a la peau grasse, on peut mettre des crèmes et même si c'est recommandé parce que évidemment un gel, on le rince. Donc, il y a un effet, oui, mais ça ne peut pas être aussi impressionnant qu'une crème parce que le gel, même si on le laisse agir un petit peu comme le gel Effaclar, je vous recommande de le laisser agir sur la peau, la crème reste là toute la journée ou toute la nuit. Donc, vous allez avoir des bien meilleurs résultats avec une crème. Donc, j'en reviens à Bioderma. Le Cébium Global a des résultats hallucinants, très rapides. C'est des belles textures, puis ça convient aux deux types d'acné. Je ne veux pas aller dans les détails, mais vous allez sûrement vous reconnaître. Donc, il y a les acnés qu'on appelle rétentionnels. Dans le fond, c'est tout ce qui est point noir et point blanc. Dans le fond, tu sais, quand on sent que c'est comme en deux peaux, là, puis il n'y a pas nécessairement de couleur rouge, ça, c'est dans le fond, c'est juste que le sébum est coincé dans la peau à cause de toutes les cellules mortes. Et l'épaisseur aussi du sébum, parce que quand on produit trop de sébum, il devient très épais. Donc, bref, ça, c'est l'acné rétentionnel et l'acné inflammatoire. C'est une acné qui est rouge, qui donne des boutons rouges et un petit peu plus douloureux. Sébium Global va s'attaquer aux deux types d'imperfections et est très bien toléré. Je vous recommande fortement de vous le procurer. Ensuite, dans Vichy, Vichy fait une gamme qui s'appelle Normaderm, que vous connaissez sûrement. C'est la gamme pour l'acné la plus vendue au Canada. Elle est très bonne et surtout, elle est souvent en spécial dans les circulaires. Fait que c'est sûr que c'est un petit peu pour ça qu'elle est si populaire, d'après moi. Elle est très bonne, je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais pour moi, les produits vedettes,
dans Vichy, c'est pas nécessairement le gel nettoyant et la crème, même s'ils sont excellents, mais pour moi, le produit qui se distingue complètement des autres gammes, c'est le masque. Essayez ça, le masque 3 en 1 qui va nettoyer, matifier, purifier et il va même exfolier en fait mécaniquement. Fait qu'on le laisse agir, puis après ça, en rinçant, on va faire des petits massages. Évidemment, vous savez qu'il faut pas, faut y aller mollo avec les exfoliations quand on a une peau grasse. Donc, celui-là est très intéressant parce qu'il va faire tout en un et vous pouvez le faire une fois par semaine, deux fois maximum, puis vous allez avoir des effets très prolongés. C'est un immense pot à petit prix. Vraiment, je vous encourage à vous le procurer. Et dans Vichy, il y a un autre produit dont je me suis complètement entichée. C'est le Yaluspot. Yaluspot se présente sous cette forme-là. L'applicateur est en acier chirurgical, ce qui fait en sorte que ça ne va pas répandre les bactéries d'un bouton à l'autre ou dans une autre surface de la peau du visage. Et ça va faire comme un effet pansement qui va prévenir, en fait, qui va aider à la plaie, si on veut, au bouton, de se guérir. Ça peut être utilisé par n'importe qui, même ceux qui font pas de l'acné, mais qui sont comme la majorité des femmes, c'est-à-dire qui font souvent un petit bouton lors des menstruations, là, ou que les menstruations approchent. Une autre gamme que j'aime beaucoup pour l'acné, c'est Keraknil de Ducré. C'est une gamme qui est très intéressante pour son petit prix. Souvent, il y a des formats bonnies au niveau du nettoyant aussi. Mais vraiment, le produit qui me fait triper dans Keraknil, c'est encore un petit soin local qui s'appelle, dans le fond, Keraknil stick correcteur teinté. Contrairement à beaucoup d'autres stick correcteurs teintés, il est large et il est plus crémeux. Là, je suis pas en train de dire qu'il est gras, mais il s'étend mieux. Moi, j'ai déjà essayé des correcteurs teintés et je nommerai pas de nom, mais c'était comme un petit crayon, puis ça s'incrustait tout dans les espèces de croûtes du bouton et c'était horrible. Ça le faisait ressortir plus que d'autres choses. Lui, il camoufle tellement bien. On dirait qu'il fait beaucoup moins de relief, puis on a juste à l'estomper et comme par magie, le bouton disparaît. Ça me fait penser que mon conjoint, c'est un des premiers produits que je l'ai convaincu d'utiliser. Il y avait plein de boutons, puis il y avait des entrevues à faire, puis il capotait, puis j'y ai fait tester, puis vraiment aucun problème. Dans le fond, là, tous les produits pour l'acné peuvent être utilisés autant par les hommes que par les femmes. La majorité des compagnies vont faire attention de prendre un parfum qui est plus unisexe, parce que la peau des hommes, de toute manière, est souvent plus épaisse et plus grasse. Fait que c'est juste logique. Fait que si vous avez des produits pour l'acné chez vous, ben votre conjoint, votre chum peut l'utiliser et inversement. Fait que ça, c'est quand même le fun. Ça fait comme un kit pour le couple. Pour l'acné corporelle, ce qui n'est pas rare, parce que c'est vrai quand on a une peau grasse et même quand on n'a pas une peau grasse, parce que moi, j'ai pas une peau grasse puis j'en fais un petit peu d'imperfection. Dans le dos, souvent, on va avoir des petits boutons. On dirait qu'il y a plus d'huile à cet endroit-là. Puis c'est les cheveux aussi qui vont faire en sorte que ça va répandre l'huile et les bactéries. Il y a un produit extraordinaire qu'il faut que vous découvriez. C'est la lotion pour l'acné Reversa. Je pense qu'il appelle la solution, en fait. Peu importe. C'est un liquide à base d'acide glycolique. L'acide glycolique, c'est un extrait, dans le fond, de canne à sucre. Puis c'est un AHA. Les AHA vont exfolier chimiquement la peau. Dans le fond, c'est ça, c'est juste des petites molécules qui vont aller éliminer les peaux mortes en surface. J'adore l'effet qu'il y a sur la peau. Ça picote pas. En tout cas, du moins, moi, je me suis habituée rapidement. Je pense qu'il y a des peaux plus sensibles qui vont sentir un petit picotement, mais c'est vraiment léger. C'est agréable à utiliser. C'est facile parce que c'est pas évident là, de traiter le haut du dos, mais ça, on met ça sur un coton puis on passe comme ça sur le haut du dos. Il n'y a rien là. Puis ça fonctionne super bien. Fait que je vous encourage vraiment à vous procurer ça si vous avez des boutons, par exemple, sur les épaules ou le haut du dos. Et même, il y en a qui en font dans le décolleté, ça serait parfait. La dernière gamme dont je veux vous parler, c'est Avène. Avène, moi, ce qui me fait halluciner, c'est ces traitements qui visent les acnés sévères. Il y a un produit qui s'appelle Triacnéal dans Avène qui concerne spécifiquement les peaux qui font de l'acné inflammatoire sévère.
et qui vont avoir ce qu'on appelle des marques résiduelles. Donc, vous savez, là, ça fait comme des petites taches rouges puis violacées, puis des fois, ça va rester brun à cause de l'exposition solaire. Mais triacnéal va éviter ce genre de marque-là. Et c'est fou, fou, fou raide, ce produit-là. Si vous avez une acné sévère, puis que vous n'avez pas, mettons, l'occasion d'aller voir un dermatologue bientôt ou pas pantoute même, prenez triacnéal, c'est incroyable. C'est évidemment très bien toléré par une peau qui est sensible et vous allez avoir des résultats assez impressionnants. Ce qui est le fun aussi, c'est que si vous êtes justement au stade où vous prenez, par exemple, Accutane ou n'importe quelle crème à base d'acide rétinoïde, d'acide rétinoïque, dis-je, et prescrite, donc, et vous voulez comme apaiser la peau parce qu'évidemment, c'est très asséchant, bien, Avène fait un soin spécifique pour vous et même un nettoyant spécifique pour les gens qui ont une peau acnéique, mais sous traitement asséchant. Et ça s'appelle simplement Clinac. Vous avez un nettoyant, une crème lavante et une crème apaisante qui n'est pas grasse du tout et qui est très, très intéressante. Je vais conclure par une nouveauté qu'il y a dans Bioderma, qui est très excitante. C'est dans la gamme Sébium, évidemment, puisque je vous en parle aujourd'hui. Et c'est Sébium AI Correcteur. Ça a été fait exprès pour les peaux qui font de l'acné inflammatoire. Parce qu'à l'intérieur, vous avez un correcteur vert pour aller neutraliser le rouge sur les boutons. Et c'est une crème teintée. Donc, on voit ici la couleur. C'est un fluide teinté, donc c'est pas un fond de teint comme il y a dans Vichy, que je vends quand même beaucoup. Mais c'est ça, vous allez avoir comme une petite couvrance, je sais pas si c'est visible, mais je le perçois à l'œil, ça sentait vraiment. C'est full frais. Puis c'est ça, puis vous avez les excellents actifs qu'il y a dans la gamme Sébium, notamment le fluide actif. Qui va aider pour l'écoulement du sébum et réduire les imperfections. Donc, c'est un super beau soin, tout nouveau en pharmacie. Tous les prix de tous les produits dont je vous ai parlé sont marqués dans la barre info ici en bas. Si vous vous maquillez, soit avec le fluide teinté ou le fond de teint normatin ou n'importe quel fond de teint sans huile et vous voulez vous démaquiller le soir venu, vos gels nettoyants probablement qui ne démaquillent pas parfaitement. Donc, vous faites passer évidemment une lotion tonique régulière, mais ce qui serait encore plus intelligent, ça serait d'utiliser la solution micellaire de Sébium qui vient maintenant en format régulier, 500 ml. C'est une économie débile. J'en parlais récemment avec un collègue de travail masculin. Il me disait, moi je pensais que c'était plus pour les filles, là, parce que c'est démaquillant, mais lui, il disait qu'il l'utilisait quand il voulait se nettoyer le visage rapidement. Fait que juste imbiber un coton puis passer sur le visage, il adore ça. Je connais d'autres personnes qui l'utilisent comme lotion micellaire, mais ils disent que tout seul, si on est quand même fortement maquillé, c'est pas aussi démaquillant, par exemple, que le Sensibio H2O de Bioderma. Quand même, c'est une excellente formule pour peut-être aller peaufiner le démaquillage après votre gel nettoyant. Donc, j'espère que ça vous a éclairé sur les solutions que vous avez sur le marché pour l'acné. On se voit dans une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne rentrée, les filles. Bye!